Eh bien bonjour tout d'abord, donc vous êtes à bord d'un Mirage 2000C construit donc pour faire la patrouille, la défense du ciel. Donc c'est un patrouilleur du ciel. On l'a emmené ici avec des camions, donc on l'a démonté grâce au génie de l'air derrière, qui se situe derrière vous. Donc pour cela, ça a nécessité d'avoir deux semi-remorques complets plus un troisième pour emmener tous les bâtis de montage. Sinon cet appareil donc est conçu pour défendre le ciel aérien. À l'heure actuelle en France, nous en avons certains qui sont prêts à décoller en moins de 3 minutes pour assurer la permanence opérationnelle. L'armée dans son ensemble, la gendarmerie, l'armée de l'air. Alors non, ils ne sont pas basés à Salon de Provence, ils sont basés un petit peu partout en France, mais il n'y en a pas à Salon de Provence. Sur quel type d'opération en général? Alors au niveau des activités, alors le Mirage 2000 est un avion polyvalent, il est décliné en plusieurs versions, il peut faire aussi bien l'emport de bombes nucléaires que de l'appui au sol, que celui-ci donc de la défense aérienne. Aéromodélisme, la technique, des techniques d'intervention opérationnelle. Il en vole à peu près 150 en ce moment sur le territoire.